L'un des points forts de la visite d'État que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a entamé dans notre pays avant-hier, une visite qui va s'achever le dimanche prochain. Mais déjà hier, on le rappelle, la journée a été consacrée aux manifestations avec les opérateurs économiques. Vous voyez donc, le Premier ministre est là. Hier matin, donc, au Conseil national du patronat du Mali, il y a eu une grande rencontre entre opérateurs économiques maliens et leurs homologues du Maroc. Les deux parties signeront d'ailleurs aujourd'hui également une convention dans ce sens. Ce sera donc une convention de coopération entre la Confédération générale des entreprises du Maroc, CGEM, et le Conseil national du patronat du Mali. Et côté malien, les documents seront signés par M. Mamadou Sidibé, président du Conseil national du patronat du Mali, et côté marocain, Madame Myriam Ben Salah Chacroun, elle est la présidente de la CGEM, c'est-à-dire la Confédération générale des entreprises du Maroc. Et nous précisons que dans cette délégation de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, nous avons plus de 70 chefs d'entreprise, ce qui donne une place de choix dans les opérations qui vont marquer ce séjour de Sa Majesté le Roi Mohamed VI dans notre pays. Un séjour de 5 jours, on vous le rappelle. Voilà, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a reçu le collier du Wissam Al-Mohammadi, la plus haute distinction honorifique du Maroc. Et nous rappelons également que le roi Mohamed VI du Maroc a lui aussi, de son côté, reçu le Grand Croix de l'Ordre national du Mali. C'était le 14 juin 2000. Le Grand Croix de l'Ordre national du Mali, la plus haute distinction dans notre pays. Voilà, dans un instant donc, le président Ibeka et le roi Mohamed VI qui vont faire leur entrée dans la salle de banquet du palais de Koulouba, qui reçoit donc ce matin, aujourd'hui donc, il est déjà 14 heures. Voilà, la signature des conventions de 17 dossiers, 17 domaines. Entre le Mali et le Maroc. Alors, je suis là avec Marc Koulibaly. Voilà, signature des conventions, 17. Hein. Économie, finance, élevage, agriculture. Nous avons le transport, nous avons l'industrie et les mines. Nous avons les commerces. Nous avons les télécoms, nous avons la formation professionnelle, nous avons l'énergie et l'eau, nous avons le monde des business également. Marc. En la même bas, on est voilà je le fais. Quand je raconte, on est Koulouba, ni oui, jamana, jamaya soui. Maroc, jamana, masake, Mohamed VI. Aleni anga jamana kundu ge Ibrahim Boubacar Keïta sonni sonni olu bena do kene kono bise awaka do salle de banque la Koulouba bolono blami ni ambe o lajela bolono blami adakun kacha
dakun fɔlɔ fɔlɔ min ni bolonɔ bɛ bila o la o ye mali ni marɔk ni mali ni ɲɔgɔn cɛ bɛn bɛ kɛ ko minnu kan olu waleya cogo k'a dɔ o sɛrɛw labatoli ani o sinsinni n'o yiriwale ɲɛta sabatili o ye bɛnka fɔlɔfɔlɔ ye bolonɔ bɛ bila min na o bolonɔ bɛ bila ma min fɛ o ye an ka jamana sɔrɔ ni nafoloko minisiri ye ani o ɲɔgɔnna minisiri min marɔkkaw fɛ yen nɔ ni o ye mohamɛd busadi ye an ta ni o ye madamu buare filisi sogo ye olu fila de bɛna bolonɔ bila bɛnka fɔlɔw la mali ni marɔk cɛ jamana kuntigi ani marɔk masakɛ olu ka kuntigiya kɔnɔna na bolonɔ filanan o b'i tali kɛ hakilina min na o ye taktikow ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni jɛɲɔgɔnya bɛ ka dɔ jamanaw fila ni ɲɔgɔn cɛ taabolo dɔw bɛ yen i n'a fɔ misɔrɔ na sira fɛ taksi minnu n'olu ka kan ka sara taksi ka kɛ sarayɔrɔ kelen ye ni taksi min sarala o hukumu kɔnɔ mara ko o taksi kelen kana sara mali la bilen a ka kɛ o taabolo in ye o bolonɔ bila in o fana o bɛɛ a la o bolonɔ kelen in o bɛ bila ma fɔlɔ ninnu fɛ ni o ye sɔrɔ nafoloko minisiri ye mali kɔnɔ madame Buare Fili Sisoko ani a ɲɔgɔnna minisiri min bɛ marɔku mohamɛd busayid o ni a ɲɔgɔnna bɛnkan caman o k'a dɔ de bɛ kɛ sababu ye bi bi in na ka nikura don mali ni marɔku ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔn sinsinni kan ka u ladɔnniya marɔku masakɛ ni jamakulu minnu don kɛnyɛrɛye cakɛda kuntigiw maa bi wolonwula ni kɔ o bɛɛ lajɛlen de bɛ a ka nɔfɛ jama la o b'a jira k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen hakilila tɛ dɔwɛrɛ ye kana dɔnniya falen u ni u ɲɔgɔnnaw cɛ mali kɔnɔna yan nɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye an ka yiriwale ni ɲɛta sabatili siraw nasiraw bɛɛ lajɛlen fɛ k'a dɔn jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka wasa kɛnɛ in kɔnɔ ka ban minisiri ɲɛma Umaru Tatamili ale sera kɛnɛ kɔnɔ an ka minisiri ni o ye guvɛrnɔ mɔgɔw ye olu bɛɛ lajɛlen sera kɛnɛ kɔnɔ ka ban maaba caman olu welelen don kɛnɛkan minnu n'olu bɛɛ lajɛlen kɔni sera marɔku delegasiyɔn olu fana dafalen bɛ kɛnɛ kɔnɔ wa k'a dɔ ka da yɛrɛ ko bonya kan sabula nin ye koba ye bi ye donba yɛrɛ fana ye kunnafonidilaw bɔra ka caya kosɛbɛ faso arajo kunnafoni dusoba ni ortɛmɛ ye a tɔgɔlama caman bɛ kɛnɛ kan o dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka kumakan ni jaw sɔrɔ u sigilen to u nɔ na nin koba yi a foyi kana tɛmɛ maa si kan o de la ni jamana kuntigi ni a ka dunanba donna kɛnɛ na Ibrahim Jɔnbele baaraw olu kɔni bɛ sɔrɔ ka daminɛ k'aw ladɔnniya ko ni jɛɲɔgɔn min filɛ nin ye k'a dɔ jɛɲɔgɔn a bɛ boli nasira yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɛ k'a dɔ fɛn o fɛn bɛ yen ni o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara yiriwale ɲɛta sabatili kan mali ni marɔku ni ɲɔgɔn cɛ o nasiraw b'a la an ta ye an ye dɔbɔ dɔw fɔ ka kɛ misaliw ye nka min ye a dakun tan ni wolonwula ninnu ye a tɛ n'a fɔ min o dakun tan ni wolonwula ninnu olu dɔrɔn de ye jɛɲɔgɔnya siraw ye o de bɛna kɛ jɛɲɔgɔnya siraw ye ka fara jɛɲɔgɔnya kɔrɔw kan min bɛ mali ani marɔku ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ san bi caman bɔ bi bi in na nasira ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ o k'a dɔn dɔnniya minnu bɛ marɔku la olu n'olu bɛ se ka waleya anw yɛrɛ fɛ yan nɔ a bɛ sinsin min kɛ o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kan o de la Ibrahim Jɔnbele kɔrɔfɔ funfɔlɔ olu kɔni ye sanni a k'a dɔn jamana kuntigi n'a ka dunanba ka na. Voilà, merci Marco Koulibaly. Nous sommes dans la salle des banquets du palais de Koulouba pour la cérémonie de signature d'une série de conventions entre le gouvernement du Mali et le royaume du Maroc dans divers domaines de développement. Présentement, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et Sa Majesté le roi Mohamed VI sont en entretien, un tête-à-tête, juste dans la salle adjacente. Et juste après, il sera question de la décoration du président de la République. Et nous vous montrerons également les images. Hein, et Ibeka qui recevra l'écolier du Wissam al-Mohammadi, la plus haute distinction honorifique du royaume chérifien. Alors, comme vous venez de le dire, Marc, nous avons ce matin, aujourd'hui, ici, cet après-midi donc, 17 conventions qui seront signées. Voilà, la première relative à l'accord
d'encouragement et la protection réciproque des investissements. Les documents qui seront signés par Madame Boiré Félix Sissoko, ministre de l'économie et des finances. D'ailleurs, Madame le ministre de l'économie et des finances qui va signer ici trois conventions. En ce qui concerne la première, qui porte donc sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements, son co-signataire côté marocain sera M. Mohamed Boussaïd. C'est son homologue marocain. Il est le ministre de l'économie et des finances. Mais nous rappelons que Sa Majesté le roi du Maroc, pour cette visite d'État qu'il a entamée dans notre pays depuis avant-hier et qui va se poursuivre jusqu'au dimanche prochain, est accompagné d'une forte délégation comprenant plusieurs ministres. Alors, la deuxième convention qui sera signée sera celle de la non-double imposition et de lutte contre l'évasion fiscale. Là également, les documents seront signés par Mme Boiré-Félix Sissoko, ministre de l'économie et des finances. Et ça sera toujours en compagnie de son homologue marocain, M. Mohamed Boussaïd. Et il est le ministre de l'économie et des finances du Maroc. Le troisième accord de coopération porte sur le domaine de l'élevage. Et c'est le ministre du Développement Rural, le docteur Bokary Treïta, qui signera ce document avec son homologue de l'agriculture et de la pêche maritime du Maroc, Aziz Akanouche. Voilà, docteur Bokary Treïta et Aziz Akanouche. Voilà, les ministres en charge du développement rural, de l'agriculture et de la pêche maritime qui signent donc ce document de coopération dans le domaine de l'élevage. Quant au quatrième accord, il est relatif au service aérien. Et c'est le général Abdoulaye Koumari, ministre de l'équipement et des transports, et Aziz Rabah, ministre de l'équipement, de transport et de la logistique, qui signeront les documents. Et puis nous avons également un protocole de coopération industrielle. Et là, c'est le docteur Boubou Cissé, ministre de l'Industrie et des Mines, Moulay Afid El Alami, ministre de l'Industrie, du Commerce, des Investissements et de l'Économie numérique et, du Maroc qui signeront les documents. Le sixième accord de coopération sera entre le Centre marocain de promotion des exportations, Maroc Export et l'Office des foires et expositions de Casablanca au FEG et la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Abdel Karim Konaté, le ministre du commerce, et M. Moulay Afid El Alami, ministre de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique du Maroc, qui signeront les documents. La septième convention de jumelage et de coopération entre le centre hospitalier Ibn Sina de Rabat et le CHU du Pongé. Ousmane Kone, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, et El Houssine El Ouardi, ministre de la Santé du Maroc, signeront les documents. La huitième convention, elle porte sur le jumelage et la coopération entre le centre hospitalier Ibn Rushd de Casablanca et le CHU Gabriel Touré de Bamako. Ousmane Kone, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, et El Houssine El Ouardi, ministre de la Santé du Maroc, signeront les documents. La neuvième convention porte sur le protocole spécifique de coopération dans les
les domaines de la géologie, des mines et des hydrocarbures. Le docteur Boubou Cissé, ministre de l'Industrie et des Mines, et Monsieur Abdel Kader Amara, ministre de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement et du Maroc, signeront les documents. La 10e convention est une convention de partenariat entre le groupe Banque Centrale Populaire du Maroc et le ministère de l'Économie, des Finances et du Budget du Mali. Et c'est Madame Boari Félix Issoro qui reviendra pour la 3e fois en tant que ministre de l'Économie et des Finances. Et elle signera la convention avec Monsieur Mohamed Ben Chaboun, PDG de la BCP. En 11e position, ce sera un accord relatif au changement du contrôle indirect de la Sotelma Maroc Télécom. Jean-Marie Sangaré, ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information du Mali, et Abdeslam Aizoun, président du directoire de Maroc Télécom, signeront les documents. En 12e position, il y aura un mémorandum d'entente de coopération en matière de zone industrielle entre la société MEDS et le ministère malien de l'Industrie. Docteur Boubou Cissé, ministre de l'Industrie et des Mines, et Omar El Yazki, président du directoire de MEDS, signeront les papiers. En 13e position, c'est un accord entre le gouvernement du Mali et le groupe Adoa pour la construction d'une cimenterie et des logements sociaux économiques au Mali. Docteur Boubou Cissé, ministre de l'Industrie et des Mines, Moustapha Ben Barka, ministre délégué chargé de la promotion des investissements et de l'initiative privée, signeront les documents de côté malien. Et côté marocain, c'est Anas Sefrioui, PDG du groupe Abdoa, qui va paraphier les documents. En 14e position, c'est un protocole d'accord de coopération en matière de formation professionnelle. Mohamed Al-Bachar Touré, directeur général du FAPA, signera côté malien. Et côté marocain, Larbi Ben Cheikh, directeur général de l'OFPT du Maroc. Suivra la convention de coopération entre l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, ONE, et la société malienne de gestion de l'eau potable, SOMAGEP SA. Côté malien, Boubacar Kane, président directeur général de la SOMAGEP SA. Et côté marocain, Ali Fassi Ferry, directeur général de l'ONE. En 6e position, ce sera la convention de coopération entre la Confédération générale des entreprises du Maroc, CGEM, et le Conseil national du patronat du Mali, CNPM. Côté CNPM, c'est M. Mamadou Sidibé, président du patronat du Mali, qui signera les documents. Et côté marocain, Madame Myriam Ben Salah Chakroun, présidente de la CGEM, la Confédération générale des entreprises du Maroc, l'organisation des patrons. Nous rappelons que les deux parties s'étaient déjà rencontrées hier dans la matinée. C'était une visite de prise de contact, de courtoisie et occasion également pour la partie marocaine
de faire connaissance avec leurs partenaires maliens dans le domaine des affaires. Et justement, à cette occasion, les responsables du CNPM, le Conseil national des patronats du Mali, ont fait de brèves présentations, des exposés succinctes et puis une visite des lieux pour montrer un peu aux partenaires marocains quelles sont les potentialités de cette structure du monde des affaires du Mali et qui se bat désormais pour l'émergence d'un secteur privé, un secteur des affaires performant, à même de se lancer de manière très efficiente à la conquête du monde. Voilà. La dernière signature, la 17e aujourd'hui, ce sera l'accord entre la Banque internationale du Mali et l'Union nationale des sociétés coopératives de producteurs de coton du Mali, UNSCPC, Bakary Togola, qui est en même temps président de l'APECAM. Côté malien signera les documents. Et côté marocain, Monsieur Mohamed Kétani, il est le PDG de la Banque internationale du Mali. Voilà, mesdames et messieurs, les documents et les domaines concernés par la signature des conventions. Une signature de convention, donc, dont la cérémonie va démarrer dans un instant. Comme vous le voyez, l'ensemble des membres du gouvernement concernés par la signature et certains de leurs collègues sont déjà dans la salle depuis maintenant un moment. Côté marocain aussi, les ministres sont sur place, les membres de la délégation d'opérateurs économiques, d'hommes d'affaires sont également là. La presse est au complet et on nous dit que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et son hôte du jour, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, poursuivent leur entretien tête à tête. Ensuite, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, va recevoir le collier du Wissam al-Mohammadi, la plus haute distinction honorifique du royaume chérifien. Et juste après ces deux événements, ils feront leur entrée dans la salle des banquets ici, du palais de Koulouba, pour présider donc la série de signatures des conventions. Marc. Iko anye afo togo mena ambe ka jamana kundu Ibrahim Boubacar Keïta ani akad namba nui Maroko jamana musake Mohamed VI ambala ka ulu ubo kono nulu dona kene kono ka ba bara u bela jele bi damine nga yani ukasea mena benga bi buli dakun tani ulu flamu nungana amena andase uma walisa moko kasika upule na ufamu. O bengan munu iko wanya foto mena ulu bina do fara bengan koro ka munu mesena ani nyon che ka koro ngani wati nyere la jumna kundi gina ka namba ube wa nyonye la uflani oye uflaka nyonye ukofe ukado abina kana ukabu ya ni mafendo ya Maroko jamana ere ajala minu ukabu katame buya ni fembe la jelika abina kana udi anga jamana kundi Ibrahim Boubacar Keïta ma nuba fuma ku kule du wisama el Muhammadi. Benga folo mi ni bolona bi bla wala ubi talike benga mu miti mabale ni Maroko ni nyokon che ulu sinzini ani ulakana ni kunyuma o benga nu mina bolona bi bla ulula anga soron na folo ko ministri fe no e madame Buare Félix Sissoko. Anyona ministri mi Maroko ko fe no to e Mohamed Boussaï soron na folo ko ministri Maroko ulu de bina bolona bla ulaj mona flani onche. Kofe benga wore mimi talike taksi koni lembuku ka
mimi lembo ko ñu na bokane ku parce que ko ma te manaf leen ñonté mim batu soro kungan taxi ni lembo mun ganga sara ni mi sara la mo rak ko ko leen ku ngoro kana sara maliko na ya ku kungan bengañ ku bu no fana bla ubina bla wa soro na fulu ko ministre fu na bina bu no bla o bengañ fana la noyé anga soro na fulu ko ministre madame bo réfléchir soko ani ayuna ministre moro ko fenno mohamed boussay ko fe bengan sabana ubi talike bagamara ni kura dunila anyro fene no anga sigida la kanani na yiriwa sigida sabatili ani ayiriwa li nyata sabatili ministre ni oyi docteur Bukari Tretay ale bi bulono bla la mali tola o maroko ko fene no min bi bulono bla la oyi uka sene ani ko wajika moniko sabatili ministre o to bayko azilze akanush bengan nanina o bi sinsin sanfe koma ni oye save tama ku fengo na sira ina fu pangul ko oni anyo kana goro mam mi bolono blaula mali to wala oye general Abdoulaye Kumaré anga tama ko ni minango ministry ani anyana ministry me maroko ko fena no we Aziz Harabay na lebe maroko tama ko ni minango ani unanyo kana tablo kura minango kuna benga duruna ubi sinsi iziniko nasiruka buluna be blawlam malik fe anga ministre fe ni oyi iziniko ani dugudugo na fuluma fengo ministre docteur Boubou Cissé maroko ka fe ni no mimi na buluna bla ola oyi mulay hafif sa ele alawi alami ale be maroko iziniko ani jagoko ani menango fokata se kuna bloko tablo kura o nafulo sorofa menango alebe o bela jele kuna bengan worona ni bruno bi bla ola bi malin maroko che o bi talike maroko kona na chakeda mi ni o kabara ere fambai ka fon labo kata koka o chakeda je kulin mi ni o basigle do Casablanca ko mara rodola jago ko na serawla ani uka awa tablo no na fasoro ko faja ko nasrawla o bengay bulno bibla ula o chakada bay ni mali jaw kalaw ka sonu nonte ni o ye awa chambre wa du commerce et d'industrie du Mali sesim ministre mimi bulno bibla ula mali to wala o ye Abdel Karim o kunate anga jaw ko ministre ani anyona ministre me maro ko fe no mulay afiva el alami o jiniko ani jagoko ni unanyu kono soro o ministre ko do bengan wolon flana o bi sinzi hakina minga o ye kenya ko na sarawi o ka kenya ko nyeni ni chakeda mi ni wa bafo mako Ibn Sina no basigle do arabo ka jamana fa ba kon nana ka jonyonya ni o tere ko do oni mali do to so ba do nyonje ina fo msi ashu point g bolono bena bla ola o bruno bibla mali to kola anga ministre feni o Ousmane Kone ale mimbe anga kenya ko ni besaya sabatili ministre sokuna maroko ka feni no o kenya ko ministre mimbe feni o el Hussein El Ouardi ale bi bruno bla o bengaina bengan sekena o bi talike halsa kenya ko nasirala jenyonya sabatili anga doctor soba sia shi Gabriel Touré ani kado d'autres soba warene nyonje no kina ko renyeni ni chakedai teriyan ne sarawla nu fona d'autres jeune do ko au centre hospitalier ibnu nu ba fo ba mako roch ko ba Casablanca d'autres soba yi abina de jeni wani teriyan do ani Gabriel Touré ni nyonje fana bu lona kelin kado bi sabati anga kina ko ni besa ministre fe maroko ko fe no ka kina sabati ni ministre wale fana bena ibul noblala bengan konontona wobi talike nasira dama dola ina fomi krengrane ala anga dugu jukoro na fulma fengo jamana fulan nui nyogonche katase tajiko nasira nonuma mami ibul noblala mali tokola wobi Dr. Boubou Cissé anga jamana uziniko anitu kino faloko ministri alebi ibul noblala maroko kaw fe ni no o luka ministry
mini uka bara finance zine do hakilna kelima ale debi bolono blala nga uluka ministry uka baba hak hakilna min bela jele be uluka tablo la kakeni tajikoni dugujo fakuri an fiyane no uluta dugujo goro fenko ani jiko ani sigida la kanani ko u bela jele be awa sokle ono ministry sokle bengan tana ni bolono bina bla ula ubi talike worbo mauni nyonche sango awa bangi ko sabateli groupe bami ni obe maroc konana nu ba foko awa banque centrale populaire du maroc woni anga soroni na foloko ministre so ani birjako ulubina ubulon bla bengana uyo do man nyonche anga soroni na foloko ministre madame Waré Fili Sissoko ale bina bulno blo la mali tola momi mina bulno bla o benga na maroku tola we mohammed bisha abun ni ale uka jeklu ba kundigi ni wa kuma ko bcp benga tan klena obi sinsi haklina mun ga uye baro dofarali bara re tablo kan ile makro doni bara la sotelma ani maroku telecom ni nyonche kwa jenyo kuna kuno ubitali ke kuna funukoni telefoni ko tablo sraula anga kuna funukoni kuna funuko tablo prof sabateli ministry jean marie sangare ale bi bolono blau pengana mali tokola maroku ka ofeni no uluka chakada ba minu ba foma ko maroku telecom aka chakada kundiki ba no toke ko abdi salam kizun ale bi bolono bla o pengana benga wa were mi ni bolono bina bla ola o ye benga tani flanai obi sisi krangranela isiniko sabatelika anga societe bauni uluira ka societe bauni nyogonte docteur bubu sisi malito ola lebi ni bolono bla benga ina na lebi anga isiniko ni dugujoro ma fe na folongo kuna maroko ka ofe ino mimi bolono bla abenga na o ye umar el yaski ale ye uka jekuluba nyamawe nundu wafu mako MATS benga tani sabana uye benga kerengere ni anga mali guvernuma ani jekuluba domini nyonche nundu wafu mako grupo Adoha ubi talike sima mo izini do joli la anfe anina ani fokatase soma somo nume ni abufu mako lojima sosio nanga jamana yu hakilenta amena walisa mwaka sika sosoro nukwela ni amakani de kumbaye o bengan yi bruno bibla wala docteur bou sisefe dou ko doona fa nko ni jini ko ministre mali tola ani mustapha ben barka ni ale ministre crefe ministre anga wa hakle na kro ni ulu tablo sabateliu ani minango ulu kuna maroko ka fe no mami mini ubi na bruno bla o pengena we anaso sefruki chakada joklu mimbe maroko kona nuba fuma ko grupo adoha ale o kundige benga tananna ubi sisi barakalanka en fe no mimi na bruno bla o pengena we ye mohammed albarsha turi na le anga barakalan sabatili chakada na fuma ko fafa ale yo chakada kundige maroko ka ofeni no mami na bulno bla bengena o larbi ben cheke uluka chaka da mi na ofuma ko ofo ppt ale fana yo chaka da kundige bengan tan duruna o ye kurangoni jiko jisango jisono mango o sabatri chaka da mi no be maroko ka ofeni no ba ofuma ko na ani an roka jisono mango sabatri chaka da ba na ofuma ko soma jep sa bulono blan malife mi mago mina ungane sabati uye Boubacar Kane ni ale chômage po sa a chagada kundigi maroko ka ofene no ali fasi fikhri uka chagada min waf mako wene uka jidmango sabati chagada ale fana ye chagada kundigi bengan tani worona ubi sinsi tablo ka ni uye kenyere chakada mununu lube maroko kaufene no uluka jekulu na fuma ko wa CGM
ani an yɛrɛ ka jɛkulu ba n'a bɛ fɔ o ma ko Conseil National du Patronat du Mali olu ni ɲɔgɔn cɛ u bolo nɔ bila o bɛnkan o fana bɛna sabati Mamadou Sidibe an ka CNPM n'o ye Conseil National du Patronat ye o kuntigi fana don jamana kuntigi u bɛna don kɛnɛ kɔnɔ Ibrahim Jombele. Voilà, Marc, comme on l'a dit, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu donc le collier du Wissam al-Mohammadi, la plus haute distinction du royaume chérifien. Et on vous l'a dit juste après donc, cette séquence de décoration, les deux personnalités vont faire leur entrée dans la salle des banquets. Ici, nous sommes dans une salle contiguë à la salle des banquets. Et c'est là que se tenait donc le tête-à-tête entre les deux personnalités. Voilà, nous avons vu tout à l'heure dans les images le secrétaire général de la présidence, le directeur du protocole qui est là. Très proche de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et tout laisse à croire donc, Marc, qu'après cette cérémonie de décoration, nous recevrons dans un instant les deux personnalités. Voilà, le président donc, Ibeka, qui a été décoré par le roi, il a reçu le collier du Wissam al-Mahamadi. Ibrahim Djombele, de mon accueil, a bora ninga bonya le fensoro bonya le femini maroko masake adwa kana ajola ko lamando nga ibrum dombele jolo ko gansante bonya le fente sakata me bonya le fere min kan maroko jamana masa bloko no odedo ni atoko ko akole du Wissam el Mohammadi aye odi anga jamana kondugi Ibrahim Boubacar Keïta kake wa bonya ma fenyi jenyonya ko nana maleni maroko ni nyongonche o tamane ko sa soni mugo bina do kene kono mugo wi awa ni so jajira ni tegere fo wi kabunya masage ke maroko kawye o ni ne bi baro damene jamana jama sulay no ni o ye awa kulubaye o yani awa kado soni bengan tani worona bi yeminye ikuma nyo foka ba ubi talike chaka da nyama so bawni nyonche la kaba benga laba mami ni bolono bina bla ola we worbo mami me maliko ni adalele lo kabla jie bela jele ye na fuma ko banque internationale du Mali o kado ni anga korisene ko sabatili chaka da je glu bina benga ndo tani nga bolono bla ola o mali to wala Barak Bagari Togola, Alebina, Ibulna Bla, Korisenela ou Togola. Au Warbo Mani, au Banque Internationale du Mali, au Kundiki Barani, au Mohamed ou Ketani, Alebi Ibulna Bla, à la Warbo Mani et Togola. Ibrahim Djombele, Hakla, Soni, Atina Memble, Jamana Kundiki, Animosaka, Ubido, Kenakono. Voilà, comme vous l'avez dit, Marc, voilà. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui font leur entrée dans la salle des banquets du palais présidentiel de Koulouba, où va donc se dérouler la cérémonie de signature des conventions de coopération de partenariat entre le Mali et le Maroc, et 17 conventions qui seront signées en tout, entre les deux parties. Morocco, Massacre, Nanga Jabana Kundi, Ibrahim Boubacar Keïta, Udona, Kenekono, Kaba. Signature de convention entre, d'une part, le gouvernement du Royaume du Maroc et, d'autre part, le gouvernement de la République du Mali. Convention numéro 1. Accord relatif à l'encouragement et à la protection réciproque des investissements.
signataire pour la partie marocaine, Mohamed Boussaïd, ministre de l'économie et des finances. Côté malien, Madame Boiré Félix Sissoko, ministre de l'économie et des finances. Deuxième convention. Convention sur la non-double imposition et de lutte contre l'évasion fiscale. Signataire pour la partie marocaine, Mohamed Boussaïd, ministre de l'économie et des finances. Pour la partie malienne, Madame Boiré Félix Sissoko, ministre de l'économie et des finances. Troisième convention, accord de coopération dans le domaine de l'élevage. Signataire pour la partie marocaine, M. Aziz Aknouch, ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime. Signataire partie malienne, Dr. Bokari Treita, ministre du Développement rural.
quatrième convention, accord relatif aux services aériens. Signataire partie marocaine, M. Aziz Rabah, ministre de l'équipement, du transport et de la logistique. Partie malienne, Général Abdoulaye Koumari, ministre de l'équipement et des transports. Cinquième convention, protocole de coopération industrielle, signataire pour la partie malienne, marocaine, je m'excuse, M. Moulay Hafid El Alami, ministre de l'Industrie, du Commerce, des Investissements et de l'Économie numérique. Pour la partie malienne, Dr. Boubou Cissé, ministre de l'Industrie et des Mines. Sixième convention, accord de coopération entre le Centre marocain de promotion des exportations et l'Office des foires et expositions de Casablanca et la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Signataire pour la partie marocaine, M. Moulay Hafid El Alami. Pour la partie malienne, M. Abdelkarim Konaté, ministre du Commerce. Septième convention, convention de jumelage et de coopération entre le centre hospitalier Ibn Sina de Rabat et le CHU du Point G. Signataire pour la partie marocaine, M. El Houssine El Ouardi. Pour la partie malienne, M. Ousmane Kone, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.
Monsieur, s'il vous plaît, vous restez en place. Huitième convention, convention de jumelage et de coopération entre le centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et le CHU Gabriel Touré de Bamako. Signataire pour la partie marocaine, Monsieur El Houssine El Ouardi, ministre de la Santé, et pour la partie malienne, Monsieur Ousmane Kone, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Neuvième convention, protocole spécifique de coopération dans le domaine de la géologie des mines et des hydrocarbures, signataire pour la partie marocaine, M. Abdelkader Amara, ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, et signataire pour la partie malienne, Dr. Boubou Cissé, ministre de l'industrie et des mines. Dixième convention, convention de partenariat entre le groupe Banque Centrale Populaire du Maroc et le ministère de l'Économie, des Finances et du Budget du Mali. Signataire pour la partie marocaine, M. Mohamed Ben Chaboun, PDG de la BCP, de la Banque Centrale Populaire du Maroc. Pour la partie malienne, Mme Boiré Félix Sissoko, ministre de l'Économie et des Finances. Convention numéro 11. Accord relatif au changement du contrôle indirect de la Sotelma Maroc Télécom. Signataire pour la partie marocaine, M. Abdeslam Aizoun, président du directoire de Maroc Télécom. Pour la partie malienne, M. Jean-Marie Sangaré, ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information.
Convention numéro 12, mémorandum d'entente de coopération en matière de zones industrielles entre la société MEDZ et le ministère malien de l'Industrie. Signataire pour la partie marocaine, M. Omar Eliasgui, président du directoire de MEDZ. Pour la partie malienne, Dr. Boubou Cissé, ministre de l'Industrie et des Mines. Convention numéro 13. Accord entre le gouvernement du Mali et le groupe Adoha pour la construction d'une cimenterie de logements sociaux économiques au Mali. Signataire pour la partie marocaine, M. Anas Sefroui, PDG du groupe Adoha. Signataire pour la partie malienne, il y en a deux. Dr. Boubou Cissé, ministre de l'Industrie et des Mines. Monsieur Moustapha Ben Barka, ministre délégué chargé de la promotion des investissements et de l'initiative privée. Convention numéro 14, protocole d'accord de coopération en matière de formation professionnelle. Signataire pour la partie marocaine, M. Larbi Benchekh, directeur général de l'OFPPT. Pour la partie malienne, M. Mohamed Al-Bachar Touré, directeur général de la du FAFPA. Convention numéro 15. Convention de coopération entre l'Office national de l'électricité et de l'eau potable et la Société malienne de gestion de l'eau potable. Signataire pour la partie marocaine, M. Ali Fassi Chiri, directeur général de l'ONE. Pour la partie malienne, M. Boubacar Khan, président directeur général de la SOMAGEP SA. Thank you.
Convention numéro 16. Convention de coopération entre la Confédération générale des entreprises du Maroc et le Conseil national du patronat du Mali. Signataire pour la partie marocaine, Madame Myriam Ben Salah Chakroun, présidente de la CGM. Signataire pour la partie malienne, Monsieur Mamadou Sidibé, président du CNPM. Septième et dernière convention. Accord entre la Banque internationale du Mali et l'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali. Signataire pour la partie marocaine, M. Mohamed Kitani, PDG de la Banque internationale du Mali. Pour la partie malienne, Monsieur Bakary Togola, président de l'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali. Majesté, Excellence, ainsi s'achève donc cette cérémonie de signature de convention. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette cérémonie de signature des conventions dans la salle de banquet du palais de Koulouba, 17 conventions signées et dans le cadre de cette visite d'État qu'effectue dans notre pays depuis avant-hier Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Un événement qui a été retransmis en direct par le fil de radio-télévision du Mali. Et pour la suite donc du séjour, nous avons quelques aspects saillants du programme. Il y aura la grande prière demain vendredi à la mosquée, grande mosquée de Bamako. Ensuite, ce sera le lancement des travaux de la clinique périnatale à Sébénikoro. Et puis, il y aura également un don de semences bovines
Ça sera fait par la Fondation Mohamed VI pour le développement durable pour l'acquisition des semences bovines. Et puis le samedi, il sera question de l'inauguration du tronçon malien du câble à fibre optique reliant le Maroc, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et puis il sera baptisé ici un boulevard au nom de Sa Majesté Mohamed VI le samedi. Merci donc d'être resté à notre compagnie. Merci de rester encore sur notre chaîne. Et excellent après-midi à toutes et à tous.